Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez quand même bien et vos révisions avancent, alors j'espère. Donc, j'ai comme Lyon une vidéo, les rachetcons en module d'immunologie sur les réactions, la réaction de précipitation et d'agglutination. Moi, Khadija Fraj, et باش ما تشوفوش كامل لا فيديو ولا اللي ما يقدرش يشوف كامل لا فيديو انا حطيت لكم في لا بار دانفو كامل لي ميثود ولا لي تكنيك اللي راح نشوفوهم مع تايمينغ يعني مع الدقيقه اللي راح نشرح فيها هذيك لا تكنيك باش تجي سهله عليكم بيان سور تسكيبيو تشوفوا كامل لي ميثود اللي ما فهمتوهمش باش ما تكونش لا فيديو بزاف بزاف طويله اي سي بارتي. Alors la source pour le cours c'est diapo plus la série jaune, d'accord? Bصح انا درت ان ريزومي اللي يجمع لي دو مي بون باش نقراو ان ديابو اللي فيه كامل لي شيما عبي خيرت نقراو بديابو اي فوالا لو ليان تاع هاد لو ليان تاع لا ديابو اي لو ريزومي نحطو لكم لتحت باش تقدروا تدخلوا ليه اي سي بارتي. Alors, je vais vous dire un peu au début parce que ce sont des notions que nous connaissons complètement et je vais vous dire un peu les méthodes techniques. Alors, on regroupe sous le terme de méthode immunochimique toutes les méthodes basées sur la mise en évidence du complexe formé lors de la réaction antigène-anticorps. Donc, on va mettre les antigènes et les anticorps. Les complexes, on va les voir soit sous forme d'un précipité, d'accord, soit sous forme d'agglutiné, d'accord, agglutination. Il y a pratiquement le principe. Ces techniques sont utilisées pour détecter, quantifier soit les antigènes, soit les anticorps. Donc, soit on recherche les antigènes, soit on recherche les anticorps. Donc la réaction antigène-anticorps est une réaction rapide, de l'ordre de quelques secondes, réversible bien sûr, qui serait l'anticorps mais l'antigène taï, il infasole à tout moment, donc c'est une réaction réversible, d'accord? Parce que la liaison entre l'antigène et l'anticorps, elle n'est pas de type covalente, donc la réaction, la liaison taï, elle est non covalente, elle est faible, de faible énergie, d'accord? Donc un antigène plus anticorps, la constante K1, il y a avec le complexe à tout moment peut dissocier, parce qu'il y a avec l'antigène plus l'anticorps, le K2. Qui n'est pas le K1 sur le K2, il y a avec l'identité, l'affinité de l'anticorps pour son antigène. Bien sûr, Kulma Ken had le K, Krib Mlwahed, d'accord, parce que c'est un rapport, Kulma, l'affinité est forte. Très bien, alors 4 forces. Ils sont dans l'interaction, la plus forte est la plus faible, électrostatique, hydrogène, hydrophobe, van der Waals, la plus faible, et on mesure l'affinité d'un anticorps pour son antigène par la mesure de la somme des forces attractives et répulsives, bien sûr. Les forces attractives, les forces répulsives, l'anticorps, il a une bonne affinité face à face de l'antigène terreau. D'accord? Troisièmement, la spécificité de la réaction est due à la complémentarité structurale, takamul bunyawi bayna ma'roufa. Elle est très élevée, mais pas absolue, réaction croisée. Wach yqsdou hna? Yqsdou bli il y a certains antigènes, d'accord? Il y a par exemple, nakhdou deux antigènes A et B, li ndhom par exemple le même épitope. Et c'est ça le problème, d'accord? L'anticorps n'est pas assez intelligent que y عرف كامل l'antigène. على بالنا بلي l'anticorps يتعرف على جزء من l'antigène وهذاك الجزء من l'antigène اسمه l'épitope, d'accord? Alors comme que par exemple deux antigènes A et B عندهم par exemple le même épitope la surface. Et ben l'anticorps تاعي ما راحش يلقى la différence bien les deux. يتعرف لي على l'antigène A ou يتعرف لي على l'antigène B. هذه واش معناتها réaction croisée, c'est-à-dire certains anticorps peuvent يتكاملوا مع deux antigènes qui sont totalement différents من ناحية les épitopes, mais ils ont un épitope مشترك بيناتهم. Elle est très élevée, mais pas absolue. C'est-à-dire, elle n'est pas absolue à un seul antigène. Il y a deux antigènes. Et donc, deux épitopes li tchebho. L'anticorps هذا يجي يلصقلي مع ليبيتوب اللي جاي في الانتيجين A ويلصقلي ما مع ليبيتوب اللي جاي في الانتيكور B في الانتيجين B c'est-à-dire يلصقلي مع les deux d'accord voilà. Donc l'antigène, il est caractérisé par l'antigénicité, c'est-à-dire la capacité, c'est-à-dire il est immunogène, donc il peut provoquer des antigénicité, c'est-à-dire il peut se lier à un anticorps, et l'immunogénicité, c'est-à-dire il peut provoquer une réaction immunitaire, bien sûr, et l'anticorps Hadaya, c'est une molécule protéique Hadimarofa, il est spécifique de l'antigène, bien sûr.
Alors, la notion, elle n'est pas très très importante, maintenant que je vous avais dit que c'est elle, mais on va l'aborder. Donc, il y a quatre types d'antigènes. Antigène univalent et unidéterminé, multivalent unidéterminé, univalent multidéterminé et multivalent multidéterminé. L'ouel, عندك univalent unidéterminé, c'est-à-dire عنده un seul épitope, d'accord? Ou l'épitope, donc عنده un seul épitope, d'accord? من شكل واحد. D'accord, كما راكم تشوفوا هنايا الانتيجين هدايا عنده ان كاري روج عنده ان سول ايبيتوب à la surface qui est capable de se lier à un anticorps. Les aptènes, les chiffres dans le premier trimestre, d'accord, qui sont des molécules qui sont antigéniques mais non immunogéniques, c'est-à-dire ils peuvent se lier à un anticorps mais des réactions immunitaires, d'accord. Les aptènes, hadouma sont univalents et unidéterminés, c'est-à-dire un aptène a un épitope à la surface. دوكا توجور انا ننصحكم تقراوها بالمقلوب باغ اكزومبل لا دوزيام يبداو يتخلطوا لكم ملتيفالون مع اونيفالون مع اوني ديتيرميني ننصحكم تقراوها بالمقلوب انتيجين انتيجين ملتيفالون اي اوني ديتيرميني راني في لا دوزيام داكور راني في لا دوزيام دونك انتيجين ملتيفالون اي اوني ديتيرميني قراوه بالمقلوب اوني ديتيرميني واش معناتها معناتها عنده شكل واحد على سيرفاس ما عندوش بليزيور اشكال عنده شكل واحد على سيرفاس باغ اكزومبل عنده ان تريونغل نقرا ملتي فالون استاذير ما عندوش ان تريونغل واحد عنده بليزيور تريونغل على سيرفاس هكا باش تشدوها كيما باغ اكزومبل الحاله الاولى اوني ديتيرميني واش معناتها عنده شكل واحد ما عندوش اشكال مختلفه اوني فالون معناتها الشكل هذاك الوحيد واحد ما عندوش ما رسمناش بزاف كاريات هكا على سيرفاس رسمنا واحد اوني ديتيرميني معناتها شكل واحد استاذير نشدو مستطيل ولا مثلث ولا مربع كواد كوا كلك سوا ملتي فالون معناتها عنده بزاف مثلثات ندوزو لتحت ملتي ديتيرميني واش معناتها عنده بزاف اشكال داكور بزاف اشكال كنقول لك بزاف اشكال راه رسمو لكم زوج برك عنده مربع ومثلث اوني فالون استاذير من كل شكل عندك واحد من كل شكل عندك واحد داكور الحاله الرابعه ملتي ديتيرميني واش معناتها عنده بزاف اشكال كما راك تشوفوا ملتي فالون واش معناتها معناتها من كل شكل عندك زوج ثلاثه داكور كيما راه مرسوم توجور قراوها بالمقلوب هكا باش تشدوها اي لي زابتان جايين في لا كاتيجوري الاولى اي فوالا لي زابتان جايين في لا كاتيجوري الاولى ولي بروتيين جايين جينيرالمون في لا كاتيجوري الاخرى داكور Alors la notion les antigènes, c'est que à la suite de la biologie de l'antigène, la réaction se moue soit de précipitation, il y a une interaction, soit d'agglutination. Voilà. Si l'antigène est moléculaire ou soluble, c'est-à-dire c'est une molécule qui circule dans le sang, elle est soluble. Le complexe antigène-anticorps forme un précipité, c'est-à-dire t'trasb, d'accord. Par exemple, qui n'hat un tube, n'hat un antigène, l'antigène hada il est soluble, n'hat معاه les anticorps spécifiques li, qui se relient les anticorps l'antigène hadoma, يشكلوا لي مرصب يعني اللي يبان بالعين المجرده, يبان à l'état à l'échelle macroscopique. Voilà. Si par contre l'antigène est particulière, c'est-à-dire c'est une particule Donc, on chauffe les exemples. Ou bien cellulaire, maintenant c'est une cellule. La cellule peut être une bactérie, ou là, une globule rouge, ou là, un globule rouge, ou là, une bille de latex. On chauffe au moment bada. D'accord? Non, les complexes immunes forment un agglutinat, c'est-à-dire une agglutination et non pas une précipitation. Voilà, c'est selon la nature de l'antigène. Et donc, on distingue trois méthodes: précipitation, agglutination, et les techniques utilisant un marqueur. Là, fait le cours, on va voir les techniques de précipitation et d'agglutination. D'accord? Les marqueurs, وحدهم. Très bien. On commence et c'est parti. Bismillah. Les techniques d'immunoprécipitation. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de précipitation. Soit la précipitation a dit être dans un milieu liquide, c'est-à-dire sain, ou être dans un milieu solide, n'aïtolotani gélifié, c'est-à-dire stamel une gélose. D'accord? Donc, précipitation soit collée dans un milieu liquide, soit dans un milieu gélifié. Qui n'est tout le milieu liquide? Soit un des plusieurs tests. Hein. Test de l'anneau, néphélémétrie et turbidimétrie. Les nous juste. Donc, nous allons voilà. Donc, nous allons le milieu liquide. On va attaquer le milieu solide ou la gélifié. D'accord? Donc, précipitation en milieu liquide. Donc, premièrement, je vais vous dire que la liaison de l'anticorps au déterminant antigénique, parce que quand on a une précipitation, l'anticorps est sur les antigènes, l'icône soluble,
باش صاري لا بريسيبيتاسيون. الا ما لصقوش لانتيجين مع الانتيكور ما كاش دي كومبلكس، ما كاش اون بريسيبيتاسيون. دوزيامون، فورماسيون دان ريزو بار ريارانجمون دي سيت دو ليزون. يشكلوا لك كوم سي ان ريزو تري ديمونسيونيل. سي با لان دي فوتو هنايا. Alors le réseau c'est simplement ça. Ha ou le réseau Diana. Ou je n'ai pas encore le compte un réseau. Hada. Ou là je ne chauffe pas. Ou je maintiens un réseau tridimensionnel. Et c'est ça ce qui fait que la précipitation nous donne une chauffe à l'œil nu. C'est grâce à ce réseau là. Alors nous allons rejoindre une kunna. Très bien. Alors formation d'un réseau par arrangement des sites de liaison. Et troisièmement agrégation de réseaux et formation de précipités. Ce précipité morasep est visible à l'œil nu. Caractéristiques de l'immunoprécipitation, l'antigène Rolna, il est soluble. Les anticorps, ce sont des anticorps polyclonaux, peu importe, d'accord. Les anticorps polyclonaux, ce sont des anticorps lijayin men différentes clones de LB. Donc, majayin men une seule clone de lymphocyte B, différencié en hada ou chiqsto des anticorps polyclone. Réseau tridimensionnel, هذا واللي هضرت لكم عليهم. Zone d'équivalence, donc je vous maintiens une zone d'équivalence. Et la lecture, تكون à l'œil nu, parce que la précipitation, déjà, je vois à l'œil nu. D'accord? Ou là, la lecture, تقدر تكون des appareils, kima, c'est le cas pour la turbidimétrie et la néphélimétrie. D'accord? Alors, on va avoir des notions de courbe de précipitation. Alors, bien sûr, dans un tube, c'est une expérience. Dans un tube ou château, le tube fait un sérum, d'accord. Le sérum هدايا ou le liquide fait une quantité fixe d'anticorps, d'accord. Fait une quantité fixe d'anticorps. C'est ma marche de bedel pendant toute l'expérience. Il peut aussi doubler chouia les antigènes, d'accord. Ou il chauffe ou qu'tèche ça l'homme la précipitation ou qu'tèche il chauffe ou aide le précipité à l'œil nu. Donc, بداو يجوتيو. Par exemple, عندي هنايا شحال عندي من موليكول. نقولو par exemple, عندي 4 موليكول دانتيكا. D'accord? مع الاول دارو 2 موليكول دانتيجين. هاد لي موليكول دانتيكور كوم سي عندنا اون فاز ديكسي دانتيكور. C'est-à-dire, les anticorps كتر بزاف من les antigènes. هنا ما يتشكلناش ان بريسيبيتي. C'est vrai que les anticorps, alors ils lisent les antigènes. C'est vrai, il y a de le complexe, les complexes هذيا, les complexes se forment, mais à l'œil nu, à l'échelle macroscopique, on a chauffe-well. Donc il n'y a pas de formation de précipité. Dans la zone d'équivalence, c'est-à-dire la deuxième partie, la deuxième étape, derrière par exemple, zéro deux autres molécules d'antigènes, c'est-à-dire où là on dit 4 antigènes et 4 anticorps. Qui ou l'ouandi, la quantité d'anticorps est égale à la quantité d'antigène, n'smouha la zone d'équivalence. D'accord? N'smouha la zone d'équivalence. Ou la zone d'équivalence, dans la zone d'équivalence, qui ou l'ouandi, la quantité d'anticorps sert à la quantité des antigènes, hneitch kli had le réseau. Le réseau, c'est ça, c'est la maille had yale mitch klet le khnaya. Hada wa un réseau. Le réseau hada, il est tridimensionnel andou abad. Ou ce qui fait que le précipité chauffera à l'œil nu, chauffera à l'échelle macroscopique. D'accord? Donc, à quel moment les antigènes, par exemple, où on a 8 antigènes, ou les anticorps, on a 4. Donc, là, on a la phase d'excès d'antigènes, c'est-à-dire les antigènes, on a plus que les anticorps. Là, le réseau, il a l'équilibre, il y a des complexes anarchiques, blanc le réseau, hada, on a la précipitation. D'accord, la précipitation se rampe, si vous voulez. D'accord, c'est ça la courbe de précipitation en gros. Voilà. Donc la zone d'équivalence, comme la zone d'équivalence pendant la vidéo, c'est la zone où il y a la quantité d'anticorps, c'est où il y a la quantité d'antigène, un réseau tridimensionnel, il y a une précipitation, la précipitation chauffe à l'œil nu. Voilà. Alors, test de l'anneau, c'est vraiment simple. C'est un test de précipitation sur un milieu liquide. Donc, c'est un test qualitatif. Qui roule comme un test qualitatif, c'est-à-dire un test qui ne peut pas déterminer la quantité, ou une concentration, ou la quantité de médecin. C'est-à-dire un test qui ne peut pas à l'œil nu. Voilà. On introduit dans un tube, on met des antigènes, on met des anticorps. On laisse le reposer, ils vont lentement diffuser dans le milieu, donc les antigènes vont diffuser et les anticorps vont diffuser aussi, créant un gradient de concentration. Eh bien, le gradient de concentration, le gradient de concentration, il y a une zone où il y a un excès
دونتيكا دونتيجين ولتحت اسمحوا لي ما كنتش تشوفوها لتحت عندي اون زون وين عندي ان اكسي دونتيكور داكور اي بان دون لا زون ديكيفالونس وين كاين لا كونتيتي دونتيكور لي هاي بالاحمر لا كونتيتي دونتيكور اي ايغال لا كونتيتي دي زونتيجين اي بان يا فورماسيون دان ريزو وهاد لو ريزو اون باراليل اي لي فو ا لوي نو سو فورم دان بريسيبيتي هذا ما كان دونك هاد التكنيك سي اون تكنيك فو فوي بيان كو سي اون تكنيك qualitative ما حسبت لي حتى كميه ولا اون كونسونطراسيون مي نقدر نعرف ا بو بري صرا لي لا بريسيبيتاسيون ولا ما صراتليش فوالا نيفيليمتري اي توربيديمتري سي اون تكنيك اوسي دو بريسيبيتاسيون سور ميليو ليكيد اي بان il faut savoir que les étapes تاع هاد لي دو تكنيك سي براتيكومون لي ميم sauf que qu'il y a une légère différence entre la néphélimétrie et la turbidimétrie. Alors, où est-ce qu'on a un tube ou un complexe, un tube, voilà, un tube qui fait les antigènes et les anticorps. J'espère que la couche au foie. Voilà. Alors, un rayon laser, on fait passer un rayon laser à travers le tube qui contient d'éventuels précipités anticorps antigènes. La diffraction de la lumière, c'est-à-dire la lumière qui est par les précipités, est mesurée à la sortie. Donc on mesure la quantité de diffraction qui est proportionnelle à la quantité de complexe antigène-anticorps fait tube TI. D'accord ? Plus il y a de précipités, plus il y aura de signal sur le photomultiplicateur. Photomultiplicateur, c'est juste un appareil qui trisse la diffraction de la lumière. D'accord ? Plus la diffraction est grande, plus la concentration est grande. Ou bien sûr, avec le photomultiplicateur, avec le chiffre de la concentration dans le tube de les complexes antigènes anticorps. Mesure rapide et automatisée qui permet un dosage, je vous connais bien, quantitatif. D'accord, c'est une concentration, donc une quantité. Et bien, comme il y a une différence entre les deux, et bien la technique c'est la même, les deux techniques, les étapes ce sont les mêmes, sauf que la turbidimétrie d'elle comme deux flèches, la turbidimétrie on a عندي la néphélimétrie, la turbidimétrie واش نحسبوا عندنا par exemple هنا هاو لو tube تاعي وهاو لو faisceau laser وهاي اي زيرو صادير شدة التيار قبل ما يدخل لو تيوب اي بان شدة التيار مور ما يدخل لو تيوب ويخرج شدة تاعو تنقص داكور باغ اكزومبل هنا كان 5 هنا ولا 3 اي بان حنا نحسبوا 3 على 5 اللي هي اي على اي زيرو و بار دي سيستيم اي دي زيكواسيون سبيسياليزي ولا سبيسيفيك يعطيني لا كونسونطراسيون بالضبط اللي جايه داخل هاد لو تيوب لا كونسونطراسيون دونتيجين ايدنتيكا D'accord, les complexes. Il y a la turbidimétrie, c'est-à-dire I0 يدخل بشدة التيار معينة كي يخرج من هذا التيوب شدة تاعو تنقص. على حساب شحال نقصت الشدة تاعو على حساب لا كونسونطراسيون دونتيجين ايدنتيكور. هذه لا turbidimétrie. La néphélimétrie, c'est tout simplement un faisceau lumineux toujours I0, il va mesurer l'angle de diffraction. كل ما l'angle هذا يكون كبير Coulman a oublié la quantité ou la concentration d'antigènes, d'anticorps ou d'antigènes, les complexes hadouma dans le tube est grande. Voilà, il y a une valeur. Voilà, il y a la néphélimétrie. C'est la différence entre les deux. Je finis jusqu'à présent les techniques de précipitation sur le milieu liquide. Je finis le test de l'anneau, je finis la néphélimétrie ou je finis la turbidimétrie. Donc, quand je fais la précipitation sur un milieu gélifié. Et milieu gélifié, c'est-à-dire un déro, le milieu, une gélose, d'accord ? Haja gélatiné, ce qui fait que le milieu est un peu solide. Alors, il y a plusieurs techniques. Je vais vous montrer une fois. On va vous montrer le plan. Quitte qu'on a bien sûr fait tout. On va vous montrer très bien. Alors, le gel, c'est ce qu'on a fait. On va vous montrer une fois de la D'accord ? الطحالب البحريه هذوك نسموها لاغار نستخرجوا منهم واحد الماده هذه الماده لي جيلاتينوز نسموها لاغاروز لاغاروز هذه كيما راك تشوف فيها هنايا لي انيرت كيميكمون معناتها ما تدخلليش في هذه لا رياكسيون اي سير دو سوبور سولمون انيرت كيميكمون ستادير كوم سي ساكنه ما عندهاش ما تتفاعلش ولا تدخلي في التفاعل ولا تدخلي في لي تكنيك اللي حنديرهم
inerte chimiquement, elle est visqueuse, mais t'as تقريبا سائلة كيما العسل هكذاك à 50 degrés, ce qui permet d'inclure l'antigène et l'anticorps sans qu'ils soient dénaturés. Bien sûr, on a qu'une partie l'antigène ou l'anticorps تاعي باش يتفاعلوا بلي تكنيك اللي حنشوفوهم, لازم تكون المادة visqueuse. Après, نحطوها في la température ambiante ou la نحطوها à 37 degrés, تولي solide. D'accord? تولي solide à 37 degrés, تولي solide ou تماك وين نبداو لي تكنيك تاعنا. دونك باش نحطو لي زانتيجين لي زانتيكور لازم تكون فيسكوز. اون باك تو لي سوليد ا 37 دغري. الي ترانسبارونت بيان سور باش نشوفو لي بريسيبيتي. بيان سور نشوفو لا بريسيبيتاسيون لازم تكون اون ماتيير كي اي بيان سور ترانسبارونت. الوغ نبداو بلا بروميير تكنيك دو بريسيبيتاسيون سور ميليو جيليفيي وهي لا ميثود ديمينو ديفيزيون دوبل نسموها اوسي دوشتر لوني. نبداو. Et bien, la méthode est simple. Les hommes t'arrivent, mais c'est une méthode qualitative. Elle n'est pas une méthode quantitative. C'est même pas possible. Ou alors, c'est même chaud. Par exemple, une mujarada. Est-ce qu'il y a une salade la précipitation ou la massage? Donc, c'est la première chose. Deuxième, c'est une méthode. C'est une méthode. Il s'appelle double immunodiffusion. Et bien, laisse moi à double immunodiffusion parce que les deux, les antigènes et les anticorps vont diffuser. Je m'explique. On a une boîte pétri, d'accord? Il y a la gélose d'ienne. Elle dit une boîte, il y a la gélose d'ienne. Donc, la gélose d'ienne, nous faisons des trous, d'accord? Ça dépend. Nous faisons un trou central et des trous périphériques. Les trous périphériques, ils sont 5, ils sont 6, peu importe. Et bien, dans le trou central, nous faisons des anticorps. D'accord? Nous faisons un sérum, nous faisons des anticorps polyspécifiques ou la monospécifiques, c'est-à-dire nous faisons plusieurs anticorps ou un anticorps ou peu importe. Nous faisons des anticorps dans le puits central et dans les puits périphériques. Nous faisons nos antigènes différents. Antigène 1, antigène 2, 3, 4, 5, 6 et où il y a. D'accord? يقدر واحد يقول لي نقدروا نديروا العكس. كيفاش العكس؟ باغ اكزومبل العكس باغ اكزومبل هنا نحط لونتيجين تاعي وهنا نحط لي ديفيرونت انتيكور, انتيكور 1, انتيكور 2, انتيكور 3, سي لا ميم شوز. داكور؟ دونك سوا نحطو في لو بي سنترال لي انتيكور ولي بيريفيريك نحطو لي زونتيجين ولا العكس سي لا ميم شوز. هذه الحاجه الثانيه اللي نتفاهموا عليها. الحاجه الثالثه سي كو بعد مده زمنيه واش حيصرا il y aura formation d'un gradient de concentration. C'est-à-dire les anticorps vont diffuser un peu partout dans la gélose. Mais si on doit les refaire, c'est impossible. Ils vont diffuser sur la surface de la gélose. Et c'est la même chose pour les antigènes. Donc les deux, les anticorps vont diffuser. Par exemple, les anticorps les vont diffuser comme l'essence. Même les antigènes les حطيناهم dans les puits périphériques vont diffuser dans tous les sens. Et bien, vous remarquez bien que both, c'est-à-dire les deux, les antigènes et les anticorps diffusent. C'est pour ça que nous avons une immuno, c'est-à-dire les complexes immunes, diffusion double, c'est-à-dire les antigènes et les anticorps vont diffuser un peu partout dans la gélose. Et bien, qui est clair, l'anticorps spécifique مع l'antigène تاعو où يكونوا la concentration est équivalente, eh bien, يتشكلوا لي هاد الخطوط البيضاء là que vous voyez هنايا خطوط بيضاء يقولوا لي بلي il y a une précipitation. Voilà, donc c'est une technique qualitative. هذه هي le principe تاعها. Et ben exemple d'application, c'est la recherche de la protéine de Bunce-Jones. Elle appelle la protéine de Bunce-Jones, c'est une protéine qui تظهر في les urines généralement, c'est une chaîne légère d'un anticorps, les dalif les urines, parce que c'est une échelle légère, poids moléculaire taha il est très faible, elle peut passer la barrière glomérulaire et elle se trouve au niveau des urines. Qui va chnaarf oublier les urines hadouma fihom une protéine de Bunce-Jones? Et bien tout simplement, on hato les urines taana واحد من les puits périphériques, les fihom quoique, par exemple, fiha de la protéine de Bunce-Jones, c'est un antigène, ou on hato dans le puits central des anticorps anti-protéine de Bunce-Jones. Il a ce qu'il t'en a un précipité. نعرف بلي لي زورين تاعنا فيهم هاد لي بروتيين سينون الي ديت رياكسيون نيجاتيف مع لي زورين تاعنا ما فيهمش هاد لا بروتيين دو بانسيون سي تو مي لي هاد لا تكنيك البوت اتر اوتيليزي في بوكو دو ميثود. دونك هنا واش قال لك
كي تشكلوا لي زونتيكور اي لي زونتيجين اللي تلاقاو في لا زون ديكيفالونس يتشكلوا لي دي زارك نسموهم اقواس هادو اللي بالبيوضة نسموهم دي زارك ولا لي دي ليني دو بريسيبيتاسيون سي لا ميم شوز line 2 of precipitation c'est la même chose a arc ou la ligne c'est la même chose plusieurs arcs de précipitation analyse qualitative des solutions d'antigènes et d'anticorps étude des réactions de relations entre différents antigènes واش معناتها هذه الاخرى شنويه نو دوك نشرحها يبقى هاد لا تكنيك عندها دوبل اوزاج سواء نستعملوها باش نديروا ان ايتود كيما قلنا qualitative à les complexes, soit nous voyons l'identité. Est-ce que deux antigènes sont identiques ou là partiellement identiques ou là non identiques totalement? Désolée. Alors, dans le cas que nous avons ici, win Alors, on a le là où on a c'est le puits central. Ou là, c'est les puits ou les trous périphériques. On a le là, par exemple, on a le par exemple. Voilà. Alors, dans deux puits, on a le même antigène. C'est le même antigène. On a deux antigènes. On a le là, est-ce que c'est le même antigène ou là, ce sont partiellement identiques ou là, ne sont pas identiques. Quoique, les antigènes, ce sont identiques. Donc, antigène 1, antigène 1. C'est le même antigène. Hattinahom dans les puits périphériques. Dans le puits central, où je hatto l'anticorps anti-antigène 1. D'accord? Et bien, il y a une formation d'un arc qui connaît ce shekel. D'accord? L'arc qui connaît ce shekel, c'est-à-dire la ligne de précipitation entre le premier antigène, presque mkhalta avec la ligne de précipitation entre le deuxième antigène. Parce que, fil haqiqa, qu'il y a une ligne de précipitation entre l'anticorps, les anticorps les jayin hnaya ou l'antigène hana, d'accord? Qu'il y a une ligne. Ou qu'il y a une autre ligne bin had l'antigène 1 ou l'anticorps 1. Qu'il y a une autre ligne. Mais les anticorps au point win maqdrouch yemizou bin l'antigène 1 ou l'antigène 1 parce que c'est le même antigène et les antigènes hadouma 1 sont diffusés partout, même les anticorps maqdrouch yemizou et ben qu'il y a des complexes li tchiklou bin les deux. Parce que c'est le même antigène. Et les antigènes sont diffusés partout dans la gélose. Et puis, il y a une continuité entre les deux lignes de précipitation. Là, la première ligne de précipitation. Ou là, la deuxième ligne de précipitation. Il y a une continuité entre les deux. Même les deux antigènes sont identiques. Totalement identiques. Ou qui est totalement identique, même si je trouve comme les épitopes. Comme les épitopes, je trouve. D'accord? Très bien, parce qu'à la base, un antigène fait plusieurs épitopes qui produisent des antigènes totalement identiques, maintenant, ils ont les mêmes épitopes sur la surface. Je vous le dis à la deuxième. Et bien, la deuxième, où ils ont une identité, où les antigènes totalement différents. D'accord ? Où les antigènes totalement différents. Maintenant, les épitopes, tu as le premier antigène, mais le deuxième antigène. Et bien, toujours la même méthode, nous mettons le puits central des anticorps à la fois, nous mettons les anticorps à l'antigène 1, ou nous mettons les anticorps à l'antigène 2. D'accord ? Alors, nous mettons 1 face à 2. D'accord ? Et le puits central, nous mettons l'antigène 2, le puits périphérique, nous mettons toujours l'antigène 1. Nous mettons le puits central, nous mettons l'antigène 1. C'est le but de la méthode. Je vous est-ce que nous mettons l'antigène 1 ou l'alala ? Eh bien, elle se forme entre les anticorps 2 et l'antigène 2, une ligne de précipitation. Elle dit bien. Entre les antigènes 1 et les anticorps 1 et les antigènes 1, il se forme une ligne de précipitation. Mais il faut savoir que les lignes sont croisées. C'est-à-dire, il y a trois temps. Ou madame, il y a trois temps. Maintenant, dans la méthode, on a la alaqa bin le premier et le deuxième antigène. Ce sont des antigènes totalement inidentiques, c'est-à-dire absence d'identité. Voilà. Et bien, je fais le cas où on a une identité partielle entre deux antigènes. Je maintiens une identité partielle, c'est-à-dire ce sont deux antigènes. Nous sommes comme l'antigène 2, l'hémolasmino, d'accord. C'est l'antigène 2, nous sommes complètement l'antigène 1. D'accord, l'antigène 1. Et bien, je maintiens une identité partielle, maintenant les deux antigènes, ils ont un épitope. Maintenant, ils ont le même épitope sur la surface.
مي ما يمنعش باللي يكونوا عندهم دي زيبيتوب اللي ما يتشابهوش. باغ اكزومبل هنا عندي دويره وهنا عندي حاجه واحده اخرى بامبورت. مي عندهم ليسونسييل عندهم اني بيتوب اللي مشترك بيناتهم، وهذه هي لا ريكسون كروزي اللي هضرت لكم عليها في لا بروميير في لا بروميير بلانش اللي شفناها. سي كو لي زانتيكور c'est vrai que ils sont spécifiques, mais qui connaît un épitope limitière avec deux antigènes qui sont différents, ben l'anticorps merde le chiffre, il t'arrive à la fois de l'antigène 1 et l'antigène 2. Et ben ce sont deux antigènes les random des épitopes qui sont différents, mais un épitope mouchtarak binatom. Et ben dans le pays central où je n'hatto des anticorps anti épitope had el mouchtarak binatom, anti-épitope 2 et anti-épitope 1 هذا اللي يملكو غير الانتيجين 1. هذا سي الانتيجين 1 وهذا سي الانتيجين 2. عندهم ان ايبيتوب مشترك بيناتهم سي ليبيتوب 2 نسموه ايبيتوب 2. وهذا يا سي ليبيتوب نقولوا له نسموه 1 ايبيتوب 1، وهذا اللي مختلف نسموه ايبيتوب 5. هاي عنده ايبيتوب 5 نعاود نرسم لكم باسكو الدعوة تخلطت. ابا نعاود باسكو الدعوة تخلطت لهيه. فوالا عندنا لو برومي انتيجين نسموه الدوزيام انتيجين، وعندنا لو برومي انتيجين هكا. ابا لي دو انتيجين باش نقولوا عليهم بارسيالمون ايدنتيك، معناتها يتشاركوا في ان سول ايبيتوب بيناتهم. ابا هاد ليبيتوب المشترك بيناتهم نسموه ايبيتوب نيميرو 2. هكذا هذا ايبيتوب نيميرو 2. وعندهم سا امبيش با بلي عندهم دي زانتي دي زيبيتوب لي ما يتشابهوش فيها بيناتهم. هذا عنده ليبيتوب نيميرو 1 وهذا عنده ان اوتر ايبيتوب لي سموه ايبيتوب 5. فوالا هادو في لي بويسون بيريفيريك. في لو بويسون سنترال واش نحط لي زانتيكور تاعي ا لا فوا انتي ايبيتوب 2 دونك نسموه انتيكور 2 ياك انتيكور 2 معناتها انتي ليبيتوب 2 اي انتيكور انتي ليبيتوب 1. اي با ان سارتان مومون تو فا ديفوزي دون تو لي سونس ميم لي انتيكور ميم لي انتيجين، باسكو هنا في البي سنترال ما حطيناش ان سول انتيجين 2 حطينا بليزيور. ميم انتيجين 1 فا ديفوزي اي بيان وي تكون لا زون ديكيفالونس لانتيكور هذا 2 راح يلصق ا لا فوا مع ليبيتوب تاع l'épitope 2 li jay à la surface de l'antigène 2 et l'épitope 2 li jay à la surface de l'antigène 1. J'espère fahamtouni les anticorps hadouma hadi la réaction croisée c'est-à-dire les anticorps ma yqdrouch yferqou bin deux épitopes li kif kif sur des antigènes li machi kif kif. Voilà mais l'épitope binatom ychab et ben une ligne de précipitation tkoun ala had chekl ماهيش متقاطعه كيما لو بروميير، هي جايه على هذا الشكل. اي بان بوركو جات على هذا الشكل تبعوا بيا. اي بان جات على هذا الشكل تو سامبلومون باسكو الوغ نعاود نرسمهم رابيدمون. On a dit les anticorps. Alors les anticorps, il faut aller les anti-épitopes 2. Donc ça va aller un arc de précipitation. D'accord ? On est d'accord. L'anticorps anti-épitope 2, l'antigène A, il y a aussi un arc de précipitation. D'accord. Très bien. Mais maintenant, je vais le puits central. Il y a aussi des anticorps anti-épitope 1. Et c'est ça la différence. حطينا انتيجين انتي ايبيتوب 1 ستادير تشكل لي ان ارك دو بريسيبيتاسيون اللي راح يكمل في هذا لو سونس. نعاود انت لي انتيكور 1 انتي ال انت يخفل في لو بي سنترال حطينا دي انتيكور انتي ايبيتوب 2 اللي مشترك بين لي دو انتيجين، وحطينا دي انتيكور انتي ايبيتوب 1 اللي جاي على الانتيجين 1 باش نتفاهم. لي انتيكور انتي ايبيتوب 2 فون ديفوزي يتلاقاو لي زانتيكور هادوما يتلاقاو مع ليبيتوب 2 لي جاي على فوا على سيرفاس دو لانتيجين 1 اي لانتيجين 2 يتشكل لي هاد لي دو زارك دو بريسيبيتاسيون لي شفناهم. مي يفو با اوبليي كو في لانتيكور في لو بوي سنترال حطينا اوسي دي زانتيكور انتي واش ايبيتوب 1
anti-épitope 1. Et donc, les anticorps hadouma li ziyada aussi ils se collent à l'antigène 1 parce que fait l'épitope. Et bien, ça se manifeste par had l'arc. Et bien, les arcs hadouma finalement, marahomch, si vous voulez, marahomch, ni haka qui te connaît identité totale, ni haka qui te connaît non identité. Raham, hagda. Ou had chacun se mou éperon. Et donc, qui te rappelle que c'est un éperon, c'est had chacun, c'est qui te connaît une identité partielle entre les deux. Voilà. Et donc, qui te connaît had chacun. Qui check les head, chacun maintient l'identité, elle est totale. Qui check les head, chacun, il n'y a pas d'identité. Ou qui check les head, chacun maintient éperon, maintient l'identité, elle est partielle. Voilà. Je fais la double immunodiffusion, la technique que je fais. Et je fais l'immunodiffusion radiale, la technique de Mansigne. Eh bien, le premier point à retenir, c'est une quantité, c'est une technique quantitative. C'est-à-dire, elle permet d'élaborer une concentration, une quantité. Mais Shikima, l'immunodiffusion double, l'ishfnaha, c'est une technique qualitative. Donc, la spécificité, la différence entre les deux techniques de Mancini, c'est une immunodiffusion radiale. Ou l'etlkawha osim sminha, immunodiffusion simple. Ou la unique, c'est la même chose. D'accord? Simple immunodiffusion. C'est la même chose. Kit l'kao immunodiffusion double, mais il y a la technique d'Osterloni. Kit l'kao immunodiffusion radiale, ou la immunodiffusion unique, ou la immunodiffusion simple, ou la technique de Mancini, c'est la même chose. Ouh. Voilà, ce sont des synonymes. Alors, la base de la technique, nous allons faire un schéma pour que vous puissiez le faire. Alors qu'on a nommé immunodiffusion radiale est égal immunodiffusion unique est égal technique de Mancini voilà hadiya est égal technique de Mancini, ce sont des synonymes. Alors la base taha wchno hiya, c'est que ndo haka une boîte li la boîte hadiya fiha du gélose. ياك جيلوز هذا ما حش نرسموه باش تكون رسم منظم. جيلوز هذه راهي ان بو بارتو في هاد لابواط تري بيان. نصنعوا حفرات في هاد لابواط, نصنعوا نقدروا نقولوا كات هولز ولا دي بوي. في هاد لي بوي, لي بوي 1 2 3 اي 4 داكور. دونك في لو بوي 1 نحطوا اون سوليوشن دونتيجين اللي على بالي لا كونسونطراسيون تاع هاد لونتيجين في هذيك لا سوليوشن داكور. Ce sont des antigènes solubles. On a les techniques d'immunoprécipitation. Alors, on a une concentration donnée. D'accord? On a une concentration C1. Puis, deux, on a le même antigène, sauf que la concentration, elle diffère. D'accord? C'est la concentration C2. Le troisième, puis, on a le même antigène, mais la concentration, elle diffère de la solution. C'est la concentration C3. À savoir, bien sûr, par exemple, on a C3 qui est la C2 qui est la C1. Donc, à fur et à mesure, on a les antigènes, on trouve la concentration T1 ou on a le même. Très bien. C'est bon, je vais vous dire. Le puits numéro 4, on a une solution. T'as un antigène, c'est le même antigène qui est dans le puits 1, 2 et 3. T'as le même antigène, donc comme la même couleur, Mais la concentration, elle est inconnue, d'accord? Donc à la benne bleue, c'est le même antigène. À la benne bleue, c'est l'antigène avec la benne tabiat de l'antigène avec. Mais on a besoin d'avoir la concentration de l'antigène dans la solution qui est dans le puits numéro 4, d'accord? Donc, ce soit puis 1, 2, 3, 4, c'est le même antigène, sauf que les concentrations sont différentes. Le puits 1 et 2 et 3, les concentrations, c'est-à-dire, on les connaît. Ou le numéro 4, on ne connaît pas la concentration, on met tout le puits numéro 4. D'accord? Et bien, c'est la gélose, si je vais vous dire, mais c'est pas grave. La gélose, c'est dans un premier temps, avant de faire les puits, حطيت فيها des anticorps anti-antigènes اللي حطيتهم في هاد لي بوي. دونك حطيت les anticorps sont un peu partout. نعاود لكم تجربه باش تيزيو مليح. اما عندي هنايا une boîte de pétri, la boîte de pétri فيها la gélose. La gélose هادي نحط un peu partout des anticorps.
D'accord? On a des anticorps anti-antigènes qui sont en train de les puits. D'accord? Donc, l'anticorps est d'ailleurs uniformément réparti toute la gélose. C'est-à-dire la concentration de l'eau, kif-kif, comme la gélose. Nous sommes les puits d'ailleurs, 1, 2, 3, 4, on a les trois premiers, l'antigène à concentration connue. On a numéro 4, le même antigène à concentration inconnue. Très bien. Alors, ce qui se passe passer, c'est que seul, mais she both, mais she les deux, seuls les antigènes qui ont fait les puits vont diffuser, dans tous les sens, bien sûr. Dans tous les sens. Et les anticorps, toujours, les anticorps, aslan, uniformément répartis, c'est-à-dire ils ne vont pas diffuser. Très bien. C'est pour ça que ce mot immunodiffusion simple, ou la unique, ou la technique de Mancini, ou la immunodiffusion radiale. Je m'entends radiale, qui m'a le il diffuse ou à la sable le côté de D'accord? Donc, mais c'est qui ma technique d'Ochterlony? Technique d'Ochterlony, both, les deux. Les antigènes et les anticorps, ils vont diffuser, c'est clair. Dans la technique d'immunodiffusion simple radiale de Mancini, les anticorps sont uniformément répartis, c'est-à-dire marachi diffusion, c'est-à-dire ils sont fixes, et les antigènes, les tétons derrière les puits, vont diffuser. Très bien. Alors, ce qui va se passer, c'est que كلنا دوائر على هاد لي ترو وهاد الدوائر القطر تاعهم ماهوش كيف كيف داكور تري بيان الوغ الدوائر هادوما وشنو هما سي لي زون ديكيفالونس سادير لا زون وين صرات لي ليكيفالونس انتر لا كونتيتي دونتيجين اي دونتيكو يتشكل لي كوم سي دي سيركل لي سيركل هادوما ممثلين في لا ديابو هاهم لي سيركل هذا اللي قلت لكم عليهم هاهم ولي سيركل هادوما ديامتر تاعهم ماشي كيف كيف داكور لي سيركل هادوما سيتادير لا زون ديكيفالونس بلوس لو سيركل كبير بلوس لا كونسونطراسيون تاع لونتيجين في هذاك لو ترو كبير باسكو كل ما تكون لا كونسونطراسيون تاع لونتيجين كبيره كل ما ايل فون ديفوزي المسافه ابعد كل ما القطر تاع الدائره يكبر كل ما لا كونسونطراسيون تاع لي زونتيجين في لو بوي هذاك في الحفره هذيك تكون صغيره قد ما ي فون ديفوزي مي على مسافه صغيره قد ما القطر تاع الدائره يكون صغير تري بيان واش نديرو بهاد لي ديامتر اي بان ا بارتير دو سي ديامتر راح نرسمو اون كور لا كورب هادية تجمع لا كونسونطراسيون تاع لونتيجين اون مليليتر اون ميليغرام بار لتر مع ديامتر تاع لو ديسك اي بان كيفاش نرسموها اي بان عندنا باغ اكزومبل ها هو ديسك 1 2 3 ou 4 دو كونسونطراسيون انكونو اي بان على بالنا هنا بلي لو ديامتر باغ اكزومبل 5 ولا ولا بالنا لا كونسونطراسيون اي بان نحطو نحطو اون كرو في لو بوي 2 على بالنا لا كونسونطراسيون وعلى بالنا لو ديامتر نحسبوه بيان سور نديرو لو بوي 2 الميم شوز بور لو بوي 3 اي بان تشكلنا داله خطيه هكا تخرج لنا داله مستقيمه علاش خرجت لنا داله مستقيمه تو سامبلومون باسكو سي لو ميم انتيجين في لي 3 بوي في لي 4 بوي دايور D'accord? C'est la concentration qui diffère. C'est quoi qui m'a dit AX زائد B, l'alia 8 بدل. C'est le même antigène. Très bien. Eh bien, je n'ai pas la concentration X, le puits 4, ou je dis, tout simplement, بالإسقاط على بالي لو ديامتر نحسب الديامتر تاع هذيك لو بوي لي ما على باليش لا كونسونطراسيون وبالإسقاط نسقط نعرف لا كونسونطراسيون تو سامبلومون وهاد لا كورب نسموها كورب ايتالون معناتها سي اون كورب ستاندار كي اي براتيكمون فيكس فوالا لانكونفينيون تاع هاد لا تكنيك سي كو ديزولي الوغ لانكونفينيون تاعها سي كو سي اون تكنيك لونت باش يتشكلوا لنا هاد لي سيركل دي 8 اور pour que le précipité sous forme, bien sûr. Alors, je finis la technique d'immunodiffusion radiale ou la de Mancini. Je fais la technique d'électro-immunodiffusion de Laurel. Et bien, je vais le voir, bien sûr. C'est les mêmes étapes que la technique précédente. Et bien, il a fait tout Mancini, a fait tout Laurel. Et bien, la technique de Laurel, c'est la même que la technique de Mancini, sauf que l'immunodiffusion, c'est les antigènes qui sont mis dans les trous, et on ne servira pas un courant électrique. Ce qui fait que nous avons des échelles, nous avons des obéus, qui la hauteur elle est proportionnelle à la concentration, nous avons le trou, nous avons la même
courbe ou la quantité la concentration inconnue est déduite. Donc, l'objectif, c'est que le 18 heures, au lieu de 18 heures, je peux vous expliquer comme ça, résultat quantitatif est obtenu en 4 heures. Donc, c'est tout. Donc, l'ORL, c'est mentionné, un courant électrique qui sert à la diffusion. Et donc, les résultats sont obtenus en 4 heures. شفنا l'électro-immunodiffusion de l'ORL et on chauffe l'électrocinérèse ou la contre-immunodiffusion, ce sont des synonymes. Donc il faut savoir que c'est une technique qualitative, donc une concentration, donc un chauffe-eau, c'est une technique qualitative d'immunoprécipitation en gel vierge, chemin vierge, c'est-à-dire c'est un gel li martina fi walou. D'accord? Qui mal la technique de Mancini, le gel Hadaya, on a fait des anticorps qui sont répartis qu'on a de façon uniforme. Mais il y a le gel محطينا فيه والو, gel fer, gel ou خلاص. Donc نعيطو له gel vierge. Ou l'axe تاع gel vierge, c'est un gel incorporé d'anticorps ou d'antigène, peu importe. D'accord? Donc هنايا c'est un gel vierge. Où la diffusion de l'antigène et de l'anticorps est accélérée par un courant électrique. نسموها contre-immuno-électrophorèse ou la électrocinérase, c'est la même chose. Ou le gel هذا لازم يكون un gel à fort courant électron-dosant, c'est-à-dire il y a le courant électrique. Alors, par exemple, j'ai mon boîte de pétri, le gel qui est vierge. Je creuse deux puits, d'accord? Le puits 1, dire l'antigène. Le puits 2, dire l'anticorps spécifique, bien sûr, le de l'antigène. Et bien, j'applique un courant électrique. Désolé. Non. Donc, c'est d'accord, et on applique notre courant, et ben l'antigène et les anticorps vont migrer de façon contre électro-immunodiffusion. L'anticorps va migrer le qutb salim et l'antigène va migrer le qutb mujib. Qui est là dans la zone d'équivalence où la concentration d'anticorps, tout ça, oui, la concentration des antigènes, deux anticorps mais deux antigènes, et bien, c'est la zone d'équivalence, et qu'il y a une précipitation, tout simplement. Voilà. Voilà la précipitation, migration de l'antigène vers l'anode, et migration de l'anticorps vers le cathode, c'est-à-dire le sélib, et précipitation dans la zone d'équivalence, on fait notre coloration et on lit le résultat. Alors, quel est l'électrocinérèse ou la contre-immunodiffusion? Aïe, je fous l'immuno-électrophorèse. Alors, il faut savoir que l'immuno-électrophorèse, il y a deux parties, immuno et électrophorèse. C'est-à-dire, à la fois qu'on va détecter les complexes immunes par une précipitation, nous dirons une première étape qui est l'électrophorèse normale. Il faut savoir que l'électrophorèse normale, qui est l'électrophorèse normale, c'est la séparation d'un contenu d'un sérum. Le sérum taï, le masque taï, il contient plusieurs antigènes. Les antigènes hadouma sont solubles ou alors le sérum taï. D'accord? Ce sont des protéines. Nous allons séparer. J'applique un courant électrique. Le sérum, les antigènes, de façon différente. Et donc, ichkloli hadouma les plaques. Ichkloli had les plaques. Voilà. Hna c'est l'albumine, hna alpha 1, alpha 2, comme ce sont des protéines bêta et gamma. Gamma, ce sont les anticorps, les kaïn fil, masltaï. D'accord, ce sont les immunoglobulines. Alors, elle dit qu'il y a l'électrophorèse, elle dit qu'il y a des protéines. Donc, quand il y a immuno-électrophorèse, c'est-à-dire il y a deux étapes. La première étape, c'est une séparation électrophorétique. D'accord, on a notre boîte de pétri. On a notre boîte de pétri. La boîte de pétri fait un gélose. Une gélose. La gélose, elle est vierge. D'accord. Donc, le sérum de mon patient ici. Un puits. On a le sérum de mon patient ici. Ou là, on a un sérum humain normal. Un sérum normal. Je chauffe la différence entre sérum de mon patient et le sérum humain normal. Ou on a un petit rigole. Je m'appelle rigole. C'est un puits. Tout simplement, c'est un puits, mais qui est horizontal. Hufala, mustatila. كي تكون حفرة دوائرة نسموها بوي كي تكون حفرة مستطيلة نسموها ريغول ريغول كي سنترال dans un premier temps le rigol هذا il est vide ما فيه والو et donc je sépare le sérum d'un courant électrique et donc après séparation
Après séparation, le sérum تاعي هدايا. Désolé. Le sérum تاعي هاو شيبان. Le sérum تاعي il est séparé, le sérum humain normal il est séparé et le sérum تاعي le patient تاعي il est séparé en fraction des protéines ou les antigènes اللي فيه الداخل. Très bien. C'est la première étape, c'est l'électrophorèse عادية. Et ben jusqu'à présent, on a une électrophorèse عادية. Et ben l'immunoélectrophorèse فيها une deuxième étape. La deuxième étape à dire, c'est l'immunodiffusion et précipitation des fractions protéiques. Où je mets maintenant le sérum هدايا qui est séparé en fonction des protéines. Fleurigol هدك qui était vide. راح نعمرو. Désolé. Alors, فهداك le rigol qui était vide. راح نعمرو des anticorps. هاد le rigol qui était vide dans la première étape. La deuxième étape. نعمرو des anticorps. Les anticorps sont spécifiques pour le sérum qui est normal. Donc pour un sérum normal, on dit qu'il y a les anticorps, tu as les antigènes qui trouvent dans un sérum humain normal. Très bien. Ou là, un immunosérum monospécifique. C'est-à-dire il est spécifique pour les protéines qui se trouvent dans le sérum humain normal. Donc après diffusion, tu as les anticorps, je fais par principe, elle va se diffuser, elle va se diffuser, elle va se diffuser, elle va se diffuser, les anticorps et les antigènes qui se trouvent à la fois dans le sérum du patient et à la fois du sérum humain normal, tu coulolis des arcs de précipitation. Et c'est ça le principe de cette technique. Voilà. Et bien, c'est une technique, l'immunoélectrophorèse, semi-quantitative. Pourquoi ? Parce que, et bien, هنايا, هذه هي الجهة, نرسموها لكم بالخضر, parce que c'est un sérum humain normal. هذه الجهة تاع le sérum humain normal, ou هذه الجهة تاع le sérum تاع mon malade, supposons qu'il est malade. D'accord ? Donc, bien le sérum humain normal ou le sérum تاع mon malade, nous allons voir le فرق, من حيث la quantité de la protéine, les protéines. Par exemple, نعطيكم مثال. Alors, هنا ما كاش مثال واضح واضح واضح. Mais par exemple, نقولوا هاد لارك وهاد لارك. D'accord. فهاد لارك par exemple, في le sérum humain normal, نلاحظوا لارك جاي هكا. في le sérum qui est anormal, نلاحظوا لارك جاي هكا. خشينا عليه. نلاحظوا لارك جاي هكا. نعرفوا بلي la quantité d'un antigène le sérum تاع mon malade زايد على طبيعي هذه هي. Donc c'est une quantité, c'est une technique, ما نقدروش نقولوا عليها elle est qualitative parce que نشوف la précipitation, elle est à la fois qualitative et semi quantitative. ما نقدرش نقول لك شحال كاين انتيجين هنا, مي على حساب السمك تاع الارك نقدر نعرف est-ce que l'antigène راهو كيما le sérum humain normal ou la زايد عليه ولا ناقص عليه. Donc c'est une technique semi quantitative qui permet de justement séparer le sérum humain normal ou le sérum تاع le malade et faire la différence entre les deux. Voilà. Je finis la technique d'immunoélectrophorèse. Nchoufou la technique d'immunofixation. Ou t'prenna mouraha l'immunosélection. On connu kmelna les techniques de précipitation et on attaque les techniques d'agglutination. Voilà. Y'prenna deux techniques de précipitation. Alors, l'immunofixation, il faut savoir que c'est une technique qualitative. Donc, on chauffe la précipitation, on marche dans la concentration. Deuxième chose, elle se fait qui mal l'immunoélectrophorèse en deux étapes. La première étape, c'est une migration adia, c'est l'électrophorèse, séparation électrophorétique. Et la deuxième étape, on déroule une immunoprécipitation. Alors, jusqu'à présent, c'est chinmia, on va expliquer. Alors, l'immunofixation, c'est quoi? C'est que on dit des bandes. Alors, on dit des bandes, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, voilà. Les bandes, c'est le sérum, c'est le patient, IgM, IgG, IgM, IgA, la chaîne légère kappa et lambda. Donc, c'est la bande de l'hôpital qui est le. D'accord. La première étape, c'est qu'on met une petite le sérum de mon patient, chaque bande, on a les bandes, d'accord. Les bandes, il faut quand même que tu écrives des titres. Sérum du patient, IgM, IgG, IgM, IgA, chaîne légère kappa et chaîne légère lambda. Et donc, je dispose, katara, mon sérum, chacun de ces bandes, d'accord. On délome une migration, how le cathode, how l'anode, on délome une électrophorèse, adia, d'accord.
Donc après l'électrophorèse, le sérum de mon patient, j'ai donc je vais vous expliquer ce que le but de ces titres que nous avons pour chaque bande. Chez légère kappa et lambda. Et donc le sérum de mon patient va il tout ça par l'électrophorèse. La même chose هنا parce que حطينا نفس القطره. La même chose هنا, حيتوزع على حساب لي ديفيرونت فراكسيون تاعو الهجره الكهربائيه. Très bien. Alors la deuxième étape c'est l'immunodiffusion. نحطو dans chaque bande des immunosérums. واش معناتها؟ معناتها هنايا في par exemple هنا هذه نخلوها كيما راهي ما نمسوهاش. Le sérum تاع ما باسيون نخلوها كيما راهي. La bande هذه ما ندير لها حتى تغيير. La bande وين كاين des IgG اللي مرقم عليها الفوق لو تيتر تاعها IgG نحط ان سيروم كي كونتيان des immunoglobulines anti-IgG. Anti-IgG. هاني حطيتهم هنا. وين كاين IgA؟ فهاديك لاموند نحط des anticorps anti-IgA. هاهم هنا بالان بلو. في لاموند IgM، la même chose. نحط des anticorps anti-IgM. C'est-à-dire, c'est un anticorps qui va fixer une immunoglobuline qui est une immunoglobuline M. نحطهم هنا. La même chose pour la chaîne légère kappa. Et la même chose pour la chaîne légère lambda. D'accord? Et bien, le but de la technique, c'est quoi? Désolée. Supposons que le sérum de mon patient qui est le hijal karabaïa, supposons qu'il y ait un composant qui est anormalement augmenté. C'est-à-dire, le hijal karabaïa, il y a un hamak bzef. D'accord? Il y a un hamak bzef, c'est le sérum de mon patient. يجيني حامق بزاف في المنطقة وين كاين وريت لكم لي مينو الكتروفوريس كاين اون بارتي تاع الالبومين كاين الفا 1 الفا 2 بيتا 1 بيتا 2 اي غاما لي زيمينوغلوبولين غاما غاما كي سون لي زانتيكور داكور بمختلف انواعها. نفترضوا انه لي زانتيكور جاتني هكا شغل حامقه بزاف هذيك لا بارتي نعرف باللي الي اون اوغمونطاسيون تاع لي زانتيكور باش نعرف الطبيعه تاع هاد لي زانتيكور اللي كي سون اوغمونتي que ce soit IgM, IgA, IgE, IgG, ou la chaîne légère lambda, ou la chaîne légère kappa qui sont augmentées, laisse-moi dire, c'est l'immunodiffusion, où il a certainement une augmentation, par exemple, il y a IgG. Yak, peut-être des anticorps anti-IgG. Il y a une ligne de précipitation. D'accord? وحمق بزاف نعرف باللي au premier lieu l'augmentation تاع هاد la précipitation est due à l'augmentation تاع les IgG. La même chose pour les IgM, les IgA, la chaîne légère lambda, la chaîne légère kappa. Et donc le but de la technique c'est que immunofixation c'est que نعرف le type d'anticorps qui est augmenté dans mon sérum. Allez, voilà. Mettre en évidence de la nature et de préciser le typage d'une immunoglobuline monoclonale décelée, décelée à l'électrophorèse de protéines sériques ou la urinaire sérique, c'est-à-dire soit le sérum, soit les urines. نعرف الطبيعة تاع l'anticorps هادي qui est augmenté. C'est une méthode plus rapide, plus sensible que l'immunoélectrophorèse, c'est sûr ça. Parce que on a différentes bandes, en même temps, ça a la diffusion tel le sérum les 6 bandes, et c'est une technique plus rapide. Voilà. Alors, je vous montre la méthode d'immunosélection. D'accord? Alors, l'immunosélection, c'est une méthode, bien sûr, qualitative. Donc, elle ne permet pas de mesurer une concentration. C'est une technique qualitative. Elle permet la détection de chaînes lourdes, c'est-à-dire celles-ci qui sont les anticorps libres, présentes en faible quantité dans les liquides biologiques. Je vous la méthode, après, tu vas voir le résultat, c'est vraiment la détection de les chaînes lourdes. Alors, toujours, on va la boîte de pétri, un gel. Le gel, d'ailleurs, il faut savoir qu'il n'est pas vierge. Fih des anticorps anti-chaînes légères, kappa et lambda. D'accord? Fih des anticorps. Alors, on rassemble comme ça, des anticorps anti-chaîne kappa et lambda, tu as les anticorps. D'accord? Andna, un puits qui est rectangulaire, c'est moi, rigole, les malloues dans la houffère. D'accord? Ou Andy, deux puits qui sont de part et d'autre, Heda, c'est le sérum de mon malade, ou Heda, c'est le sérum
humain normal li kishghol shahid. D'accord. Donc la première étape toujours, ndirou une électrophorèse, c'est-à-dire on sépare le sérum de mon malade, elle a bouche fi les différentes constitutions. D'accord. Donc on va le séparer. Donc alors, donc après séparation, le recall central, le sérum de mon patient sépara, même le sérum humain normal sépara. Non, maintenant je vais lui des anticorps anti-chaîne légère kappa et lambda. D'accord. Aide les chaînes légères, la home répartie de façon uniforme dans la gélose. D'accord. N'hatto duka dans le puits qui est central dans la rigole, n'hatto des anticorps anti-chaîne lourde. D'accord. N'hatto des anticorps anti-chaîne lourde. Alors, ce qui va se passer, c'est que les antichaînes lourdes, bien sûr, marcher quand le fait que le puits, ils vont se diffuser, d'accord? Ils vont se diffuser. Bien sûr, le sérum humain normal ne contient pas les chaînes lourdes à l'état normal. Et donc, ça va être une précipitation. Tandis que le sérum thermo malade, l'inchek bli fait les chaînes lourdes, et bien ça est la précipitation, d'accord? Ça est la précipitation sous forme rolo haka, un arc, d'accord? Il faut savoir trop l'oubli où le hadef t'as les anticorps anti-kappa et lambda les hatinaram. Et bien, les anticorps anti-kappa et lambda, ils vont fixer les anticorps qui se trouvent au niveau du sérum malade et du sérum humain normal. Le sérum tamon malade, il contient des IgA, des IgM, des IgE, des IgE. Même le sérum humain normal, il contient. Et donc, une ligne de précipitation de Dhalif, les deux. C'est un état normal. Tandis que le sérum tamon malade, l'inchek blifé des chaînes lourdes, Dhalif, une précipitation, non? Ou ma t'dhalish le sérum humain normal. Parce que le sérum humain normal, il ne contient pas des chaînes lourdes à calibre. Il contient des anticorps, kemlin, les chaînes lourdes, les chaînes légères. Tandis que le sérum humain malade, l'inchik blifé, a t'dhalish une ligne de précipitation supplémentaire des liblis sakayen des anticorps anti-chaînes légères. Hadamakan. Vous voyez bien, hnaya. Alors. هنايا alors هنا حطينا هنايا حطينا لو سيروم تاع مون مالاد وهنا ولتحت سي با الى كتشوفوا لتحت حطينا لو سيروم هيومان نورمال لو سيروم تاع مون مالاد كاين اون لين سوبليمونتير بار رابور او سيروم نورمال اللي يدل على بلي في هذاك لو سيروم كاين اون شين لورد الفا اي فو واي بيان لا ريغول سنترال اللي درناها في الوسط فوالا. Application, recherche de la maladie des chaînes lourdes, alpha le plus souvent, parce qu'il y a plusieurs types de chaînes lourdes, qui est une alpha, qui est une epsilon, qui est une delta, qui est une gamma. Donc il y a plusieurs types de chaînes lourdes, rarement gamma ou mu, peu importe. Donc c'est les chaînes alpha, spécifiquement les chaînes alpha, surtout qui sont retrouvées. Alors récapitulons les méthodes d'agglutination. Avec les méthodes de précipitation, avec sur milieu liquide et milieu solide ou la gélifie. Sur milieu liquide, je fais le ring test, test de l'anneau, et la débimétrie plus la turbidimétrie. D'accord. Ring test, c'est un test qualitatif, tandis que la débimétrie et la turbidimétrie, ce sont des tests quantitatifs. Pour milieu solide, je fais diffusion double immunodiffusion, la technique d'Osterloni, je fais la simple immunodiffusion ou la technique de Mancini, ou je fais l'immunodiffusion électrique sous un courant. Quelle est la technique de Laurel, quelle est le contre-immunoprécipitation, ou quelle est l'immunoélectrophorèse, ou quelle est l'immunofixation, bien sûr, ou l'immunosélection. Voilà. Alors, la réaction d'agglutination, l'antigène, il n'est plus soluble, il est. Bien sûr, particulière, c'est-à-dire c'est une particule ou là une cellule. La cellule peut être une bactérie, une hématie, une bille de latex, etc. Ou la bille de latex. Latex, c'est une matière qui est élastique, si vous voulez. C'est une matière élastique. Il a boué à partir d'un. D'accord. De la matière de latex, c'est une matière élastique. Ou là, de la matière de latex peut être synthétique à partir de polystyrène. Polystyrène. Nous pouvons faire de la matière de latex. Peu importe. Les complexes immunes forment un agglutinant. On n'est plus dans la précipitation, ils forment un agglutinant. Alors, voilà.
l'agglutination qui m'a étouré comme rappelable de la planche qui dirou les antigènes qui sont particuliers à la cellulaire mais les anticorps تاعهم il a vraiment les anticorps تاعهم راح يلصقوا يشكلوا لي des complexes d'accord يشكلوا لي ان اغلوتينا sinon la réaction تقعد homogène هكا voilà qui ça est l'agglutination سميها une réaction positive ou qui la solution تاعنا تقعد homogène donc pas d'agglutination نسميها une réaction négative. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un anticorps? C'est un anticorps agglutinant. Surtout les IgM, ce sont des anticorps agglutinants parce qu'allez, ils sont pentamériques. Prenez un T1, ce sont pentamériques, c'est-à-dire jayin haka, pentamériques. Fihom khamsa haka ou l'esprit, bhadik le fragment J hadak. D'accord, ils sont pentamériques. Surtout les IgM sont des IgM agglutinants. Donc ce sont des immunoglobulines qui sont capables de produire des agglutinations. Ce sont des anticorps agglutinants. Voilà. Ce qu'il faut savoir que les tests d'agglutination complets, bidoun istithna, ce sont des tests qualitatifs. Mais qu'est-ce qu'un test d'agglutination qui est quantitatif? Tandis que la précipitation, on a des tests qui sont quantitatifs. Par exemple, la dibimétrie. La dibimétrie ou la technique de Mancini sont des techniques quantitatives. Tandis que les techniques d'agglutination bidon sont qualitatives. C'est-à-dire, il y a une agglutination, la réaction est dite positive. Il y a une agglutination, la réaction est dite négative. Ou même, ni concentration, ni wel. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types d'agglutination. Quelle est l'agglutination directe? Nous avons aussi agglutination active. Ou quelle est l'agglutination indirecte? Nous avons aussi l'agglutination passive. D'accord? Où est la différence entre les deux? C'est que dans l'agglutination directe, nous avons des antigènes qui sont naturellement particuliers. Le jisme insane, naturellement, ils sont particuliers. Comme par exemple les globules rouges. Qui m'a par exemple les bactéries, c'est un cas pathologique. Mais naturellement, ils sont particuliers. Donc, antigènes naturellement particuliers. Tandis que l'immunodiffusion, l'agglutination qui est indirecte, nous utilisons un antigène qui est rendu particulier. Alors, on a un parce que tu as le dessin. Alors, qu'il y a deux types d'agglutination, qu'il y a une directe passive ou qu'il y a une indirecte qui est. Qui est indirect active et indirect qui est passive. On a direct, nous utilisons des antigènes qui sont naturellement cellulaires ou la particulière. Tandis que l'immunodiffusion indirecte ou la passive, nous utilisons des antigènes qui sont solubles à l'état naturel. Donc naturellement, ils sont solubles. On les fixe par des réactions spécifiques, on les fixe sur une cellule ou là sur une particule. Bêche, nous utilisons comme quoi un antigène particulière. Donc les antigènes هذوك naturellement استعملناهم ne sont pas particuliers à l'état naturel mais ils sont solubles. لصقناهم في un support ou نرجعوهم particuliers. C'est ça la différence, la grande différence entre les deux phénomènes ou entre les deux techniques. Et ben nous avons l'agglutination active ou directe. L'exemple le plus fréquent c'est le groupage sanguin. Groupage sanguin كيفاش يديروه? Et ben tout simplement يجيبوا عينات من الدم. D'accord. عينات من الدم هذوك فيهم دي غلوبول روج باغ اكزومبل انا الدم تاعي ها داكور تيطالي هنا وهنا وهنا اوكي تزيد له دي سيروم انتي دونك ان سيروم كي كونتيان انتي مسددات تاع لي غلوبول بي ان سيروم كي كونتيان انتي مسددات اللي جايين في لي غلوبول روج ا و لي دو سيروم او ميم طون نحطوهم في هاد الكازي بان سي لاغلوتيناسيون ال سو في. Nous allons chercher l'agglutination si la solution est homogène. Il n'y a pas d'agglutination. Alors, par exemple, dans le groupe sanguin A, qu'on a dit d'amour, il y a le hamara, désolé, globule rouge, il y a un dos moustadet. Moustadet, c'est mort A. Et bien, qui déroule le sérum anti-B, elle reste homogène, d'accord? Parce que, il y a un moustadet anti-A. Qui déroule anti-A, l'agglutination se fait. Qui déroule anti-A, B, ça l'agglutination parce que là, il y a des sérums anti-A ou il y a des sérums anti-B. D'accord? Nous avons dit que les zobras c'est A. Par exemple, il y a le O, elle a bien les douelles sur la surface. Et donc, même dire anti-B, anti-A, anti-AB, la solution reste homogène et c'est le résultat caractéristique de
de zone à thème O. D'accord. La même chose, le même raisonnement pour B et pour AP. Un autre exemple d'une agglutination active ou directe, c'est le test de Coombs. Test de Coombs, c'est qu'il y a deux types. Test de Coombs direct et test de Coombs indirect. Test de Coombs direct, il traite l'agglutination directe qui est active. Ou test de Coombs indirect, on trouve l'agglutination indirecte qui est passive. Alors, test de Coombs s'utilise généralement pour diagnostiquer les anémies hémolytiques auto-immunes, c'est-à-dire que les globules rouges s'éclatent spontanément. Alèche parce que des anticorps anti les globules rouges. Là, ils ont fait des anticorps, et ben ils finissent les globules rouges ils finissent par s'éclater, ce qui cause une anémie. Anémie hémolytique auto-immune. Alors, tout simplement, le test de Coombs n'est do دمت على المالا تاعنا لي سوسبكتي عنده هاد لي زانتيكور انتي اريتروسيتير داكور ونزيدو لهم معاهم لو رياكتيف دو كومبس سي كوا لو رياكتيف دو كومبس سي تو سامبلومون دي زانتيكور كي فيكس لو فراغمون اف سي دي ايمونوغلوبولين داكور سبيسيالمون لي اي جي جي داكور دونك عندنا دي ايمونوغلوبولين انتي اريتروسيتير لي راهم لاصقين في لي غلوبول روج Nous avons le réactif de Coombs. Le réactif de Coombs, ce sont des anticorps anti le fragment fixe FC des immunoglobulines, d'accord? Généralement des IgG. Et bien, si réellement les anticorps adoma anti-érythrocytaires kainés, d'accord? Donc, une réaction positive, une agglutination se fait parce que adoma les anticorps les atomes, rahoulis kolif le fragment FC had les immunoglobulines et donc une réaction est dite positive. Dans le cas contraire où une macache a des anticorps anti-érythrocytaires, la réaction est dite négative. C'est le simple, le test de Coombs, test de Coombs direct. Il permet de diagnostiquer certainement les anémies hémolytiques auto-immunes. Alors, les agglutinations passives ou indirectes, elle est réalisée entre un anticorps et un antigène normalement soluble, mais rendu particulière par fixation sur une particule inerte, exemple latex ou les hémacies. Donc, l'antigène qui est dans un premier temps soluble, نرجعوه لسقوف une particule de latex ou la globule rouge, نرجعوه cellulaire. Donc dans un premier temps, ma cage particulière. C'est ça la différence. Voilà. Les tests d'agglutination passive ou indirecte, on a trois tests qui sont principaux. Coombs indirect, test de latex et le test de Waller-Ross. Je vous remercie de vous. Alors l'antigène dans un premier temps, c'est un antigène soluble qu'on va fixer sur une particule inerte comme le latex et les hémacies pour le rendre insoluble. Il laisse dans l'anticorps HADAC, bien sûr, il va fixer l'antigène rendu particulière et bien sûr, une réaction d'agglutination se manifeste. Alors, quels sont les trois types de tests? Coombs indirect, latex et Waller, on va le test de latex. Alors, le test de latex, c'est que on dépiste le facteur rhématoïde. Alors, dans un premier temps, alors, donc il faut savoir où je suis le facteur rhématoïde. Le facteur rhumatoïde. Alors, le facteur rhumatoïde, c'est tout simplement une immunoglobuline anti, c'est une immunoglobuline anti le fragment FC t'as une IgG. Donc on dit une IgG. How le fragment FC t'a. Et ben le facteur rhumatoïde c'est une immunoglobuline, c'est un anticorps anti le fragment FC t'a une IgG. Hada باش تعرفوا le facteur hada واش هو. Alors le test hadaya واش نديرو? نديرو dans un premier temps un support inerte qui est une particule de latex, à la binasmina un test au latex. Et dans un deuxième temps, on va fixer nos anticorps. On va fixer notre anticorps qui sont basically des IgG. Alors, les anticorps tana huma les antigènes qu'on va fixer sur le support inerte qui est une particule de latex rendu insoluble. Alors, on ajoute notre. Alors, désolé, le schéma. Alors, on a notre particule de latex. On a fixé les IgG. D'accord? On ajoute le sérum de notre patient. Le sérum de notre patient qui est censé contenir le facteur rhumatoïde. Rhumatoïde. Il y a un problème, faites le mot. Hein. Le facteur. Voilà.
Eh bien, on ajoute le sérum de notre patient qui est censé faire aider le facteur. Alors, si aide le facteur est réellement existe, alors aide le facteur, c'est une immunoglobuline qui va se fixer sur le fragment FC tel notre IgG. Alors, elle va se fixer ici, elle va se fixer ici et elle va se fixer ici, ici. Et une réaction d'agglutination est visible à l'œil nu. Donc, le facteur rhumatoïde. Alors, le facteur rhumatoïde, à la benna, nous avons le sérum. Sinon, le sérum, il aime cacher le facteur. Et donc, la réaction est dite négative ou il n'y a pas d'agglutination. Voilà le test, le test au latex. Alors, le test de Waller-Ross, c'est la même chose que les mêmes étapes que le test de latex, sauf qu'on remplaçait la particule de latex avec une hématie. Donc, c'est pratiquement la même chose. L'hématie, c'est des anticorps. Alors, l'hématie terna, c'est des anticorps, les IgG, basically. Nous avons le sérum de notre patient. L'effet, le facteur, je ne sais pas si j'ai un problème. Alors, le facteur, à côté de la fois. Alors, s'il y a vraiment le facteur, il va se fixer sur les anticorps et une réaction d'agglutination se fait. Alors, le test est dit positive. Voilà. Alors, le test de Combs indirect, tout simplement, on fait prélever le sérum de mon patient. Alors, le sérum de le patient, qui est censé contenir des anticorps anti les érythrocytes. Très bien. Alors, on a fait une goutte de des globules dans le sérum humain. Alors, le sérum humain, on a fait des globules rouges. Les globules rouges, est-ce que le sérum humain fait réellement les anticorps humains? Oui, là. Très bien. Les anticorps humains, le sérum il contient ces anticorps, ils vont se fixer sur les globules rouges. Très bien. Nous le réactif de Combs, qui est une immunoglobuline qui est anti le fragment FC de l'IgG. Ici, les anticorps sont vraiment présents. Une agglutination ou une réaction positive se manifeste. Voilà. Sinon, le sérum il ne contient pas. Les globules rouges restent libres. Quand on ajoute le réactif de Combs, rien ne se passe. Alors justement, les séminaires indirects. Parce que dans le Combs direct, on a directement le sang. Le sang a fait à la fois les globules rouges qui sont, désolé, sur les globules rouges adomates directement laisser les anticorps. Tandis que le Combs indirect, on a le sérum qui est censé contenir les immunoglobulines, anti-érythrocytaires bien sûr, ou on a le sang, est-ce que les immunoglobulines, les globules rouges vont être détruites ou non. Alors, Njuzo, la troisième partie et la dernière, c'est l'inhibition d'agglutination passive. Je suis appelée l'agglutination, elle peut être directe active, elle peut être passive indirecte, comme elle peut être une inhibition d'agglutination passive. Et bien, l'inhibition d'agglutination passive est généralement utilisée pour dérouler le test de grossesse. Je ne sais pas si elle est enceinte ou pas. Alors, les étapes, donc, un antigène est préalablement fixé sur une particule inerte de latex. Alors, l'antigène fait le halatéi, c'est la bêta HCG, d'accord, qui est augmentée en cas de grossesse. Alors, je vais la fixer sur une particule de latex. Donc, je l'ai rendue, comment? Particulière. Voilà. Head le mix, d'ailleurs, nous avons des anticorps agglutinants, anti-bêta HCG, bien sûr. Très bien. Alors, dans un tube, les mettons trois éléments. Alors, les éléments sont les suivants. Nous mettons dans un tube le sérum ou les urines tellement patientes qui est censé contenir la bêta HCG. Nous mettons des particules de latex sensibilisées par la bêta HCG. C'est-à-dire, ce sont des particules de latex qu'on a fixées, les bêta HCG, sur la paroi. Nous mettons des anticorps agglutinants, c'est-à-dire des IgM anti-bêta HCG. Donc, dans le tube, il contient trois éléments. Le sérum et les urines tellement patientes. Alors, la particule de latex qui est sensibilisée par les bêta-HCG, ou avec les anticorps anti-agglutinantes. Alors, les anticorps anti-agglutinantes qui causent le sérum de mon patient, qui causent le bêta-HCG, ils laissent les bêta-HCG.
تاع لو سيروم ولا تاع لي جوري، ما يروحوش يلصقوا في البيتا اش سي جي تاع لي بارتيكول دو لاتكس. هنا با داغلوتيناسيون، علاش؟ باسكو لي سيروم اي كونتيان دي بيتا اش سي جي كومون اي سون سولوبل، اي دونك با داغلوتيناسيون، ما نشوفش اون اغلوتيناسيون. سي سا l'inhibition de l'agglutination. Donc la réaction est dite positive et la personne, elle est enceinte parce que elle a les particules de bêta-HCG dans le sérum ou là dans les urines. Dans le cas contraire, où il y a un témoin négatif, il me fait chez les particules, je vous là. D'accord? Indique aide les particules de latex, indique le bêta HCG, les rahiles frappent les particules de latex. Les anticorps agglutinants n'ont pas le choix, ils jouent lehna mais le qawalo, ils jouent lehna, ils rohu les scrum aide les particules bêta HCG, les rahom mtptine sur le latex, et donc une réaction d'agglutination se fait. Tandis que la personne naya, 1 ou 2, la personne 1, les anticorps هادوما يروحوا يلصقوا في لو سيروم هذايا كي كونتيان لي بيتا اش سي جي ليبر، يفضلوهم كوم سي يفضلوا هاد ليبر على لي راهم لاصقين في ال... يروحوا يلصقوا فيهم. اي دونك با دو رياكسيون داغلوتيناسيون، دونك اون كوم سي اون انيبي لاغلوتيناسيون بار هاد لي بيتا اش سي جي، اي دونك لا باسيونت اي انسينت. فوالا réaction d'agglutination, qui a trois types: direct, active, indirect, passif. Direct, active, je fais le groupage et le test de Coombs direct. Direct, indirect, passif, je fais Coombs indirect, je fais le latex et je fais le test de Waller-Rose. Ou inhibition d'agglutination, je fais le test de grossesse. Voilà. Au bien d'un coup, nous commençons le cours de réaction de précipitation et d'agglutination. Nous allons confier la boîte d'infos comme les méthodes, le temps de ham bien sûr, parce qu'il est entre les différentes méthodes qui me font tout. Le lien de mon Instagram, Facebook, alors on le dans la boîte d'information, ainsi que le lien du résumé de tout. Et puis, peut-être offrir. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas surtout à les mettre en commentaire. Et à la prochaine.